C'était une époque différente, un autre ennemi. 60 hommes de plusieurs unités d'élite furent envoyés pour faire face à plus de 500 ennemis. Leur objectif ? Forcer l'ennemi à se retirer d'un hôpital public et protéger tous ses occupants. Pendant 3 jours, ils résistèrent. Mais les forces ennemies étaient bien trop nombreuses. Des 60, il n'en resta que 15. Ils ne tiendraient pas une nuit de plus, et l'ennemi le savait. À la faveur de la nuit, ils évacuèrent l'hôpital, avec un seul homme en tête pour les guider. Les autres regagnèrent le front et prirent position sous les corps de leurs frères tombés au combat. Tandis qu'ils attendaient, le sang des morts coulait sur eux. Le sable se collait à leur peau, formant comme un linceul. C'est comme si... ils avaient été bénis. Quand l'ennemi approcha, les 14 survivants surgirent des sables du désert. Ils étaient tels des chasseurs invisibles, si furtifs que leurs ennemis ne pouvaient pas se défendre. Quand les hommes furent à court de munitions, ils utilisèrent leurs lames. Et quand leurs lames furent émoussées, ils utilisèrent leurs mains. Quand le sable et la poussière retombèrent, un seul ennemi avait survécu. On le trouva dans le désert, errant sans but, traumatisé. Il mit en garde les autres contre cette force insaisissable et invincible qu'il ne pouvait qualifier que de surnaturelle. Il les appela Ghost. Et c'est vraiment arrivé ? Selon la légende. Allez, papa, tu crois pas à ces histoires, si ? Ouais, j'y crois. Allez, retournons à la maison. On y va. On bouge. Oh, j'ai senti une secousse. C'est le genre de chose qui fichait une peur bleue à votre mère. Encore une ? On va en sortir quelques autres et puis ça finira par se calmer. Le vent commence à se lever. Papa ? On rentre. Faut s'assurer que rien n'a été endommagé. Papa, qu'est-ce qui se passe ? Lodin ! C'est Lodin ! À la maison, les garçons ! Vite ! C'est pas un séisme! De quoi est-ce que tu parles? Rentrez à la maison et restez-y! Je prends le pick-up! Mais papa! Allez, Logan! Bordel, mais qu'est-ce qui se passe? Par là, Logan! Grave! Spécialiste Mosley, on suit le signal de tir des aides d'armes. Baker, voilà notre taxi. On y va. Payload, ici Contrôle Odin, envoyez vos données. Contrôle Odin, nous allons débriefer le nouvel équipage. Bien reçu, on prépare le SAS-C. La navette effectue la séquence d'arrimage finale. Payload, 10 mètres, commencez la rotation. 5 mètres, payload.
2 mètres, arrêtez votre rotation, payload. Spécialiste Mosley, le SAS-C est prêt pour leur arrivée. Accrochage. Manœuvre en cours. Rapprochement. Bien reçu, payload. Pressurisation du SAS. Ah, j'ai vraiment hâte de rentrer. Ça fait quoi, 3 mois? Payload, vous êtes arrivé. Et vous êtes à l'arrêt. Bien piloté. Hey Baker, tu me donnes un coup de main pour décharger? En émission. Ciblage, Los Angeles, verrouillé. San Diego, verrouillé. Phoenix, verrouillé. Ciblage, Houston, verrouillé. Ciblage, Miami, verrouillé. Lodin vérifie les solutions de ciblage. Victime estimée à... Oh non! Lodin a tiré! C'est de 27 millions. Ils indiquent de nouvelles cibles au module de tir 2, 3 et 4. Houston, qu'est-ce qu'on fait? Contrôle Lodin, on n'a pas le choix. On va détruire la station. Je suis désolé, Mosley. Bien sûr, Houston. Baker, il faut y aller! Dans 10 secondes, que l'équipage rejoigne une zone sécurisée. Explosion de la zone de stockage blindée, c'est moi. 2, 1... La visée des modules de tir 3 et 4 de Lodin a été interrompue. Mais le module de tir 2 poursuit sa séquence. Cible verrouillée. San Francisco, Denver, Kansas City, Chicago, Washington. C'est pas fini, Baker. Allons jusqu'à Lodin et détruisons-le. Je crois qu'on rentrera pas chez nous, Baker. Atlas, de combien faut-il modifier son axe pour le déstabiliser? 23 degrés vers la gauche ou l'arrière. Mais le système de micropropulseur ne répond pas. 23 degrés. On va l'envoyer au fond de l'océan. Ça suffit pour le faire tomber dans l'atmosphère.
Spécialiste Mosley, Kira. On a perdu le contact avec l'équipage de contrôle Odin. Je répète, plus de contact avec contrôle Odin. La Fédération monte en puissance. Quand les déserts producteurs d'énergie sont partis en fumée, les puissances mondiales qui en dépendaient se sont effondrées. Dans leur chute, la Fédération a pris son essor. La Fédération a uni toute l'Amérique du Sud sous une seule bannière. Elle a tout englouti sur son passage, à mesure qu'elle avançait vers le nord. Après avoir retourné l'Odin contre nous, la Fédération s'est retrouvée aux portes de l'Amérique. Ils pensaient que nous étions faibles et que nous ferions une proie facile. Nous avons lutté avec ardeur et conduit l'ennemi dans une impasse. Et ici, derrière les cratères du No Man's Land, nous livrons une guerre défensive contre un ennemi à la puissance supérieure. Jenkins, vous êtes là ? Ash ? Logan ? Reçu, on est là. Allez-y. Les renforts sont arrivés. Dallas s'est tombé dans la nuit. Le QG veut un nouveau balayage du mur au plus vite. Oh merde. Des survivants ? Négatif. Je t'ai pas réveillé, désolé. T'avais besoin de dormir. Chut, mon beau. Écoute. Hé, hey, Riley a trouvé quelque chose. Prends ton matos, on y va. Équipe 2, vous êtes près de notre position.